Hello, salut, coucou tout le monde, les gens, comment que vous allez bien? Alors, ça y est, on attaque, on attaque, on attaque, on refait, là maintenant tout de suite, la vidéo que j'ai déjà faite hier, sur des petites bricoles. On attaque les petits embellissements pour notre journal de Noël, des petites pochettes, des petits trucs. Mais d'abord, regardez, ça fait pas professionnel ça, c'est pas trop bien. Bon, je peux pas vous montrer le reste parce que c'est tout fixé. Si, je peux vous montrer ça, la boîte magique. Et ça, autrement dit, aujourd'hui, je suis en mode test de ces micros-là. Baril, Tekker, non, bon, d'accord. Bon, donc, on va voir. Je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus comment ça doit marcher ou pas. Par contre, si un jour on fait des vidéos à quatre mains avec quelqu'un d'autre ou quoi, ou si le zombie il veut participer ou quoi, eh ben, il aura son micro aussi. Si, il fonctionne. Voilà, ça c'est le mien. Donc, je suis branchée en filaire à ce bidule-là que vous savez, à la télé, ils mettent ça dans la poche derrière ou accroché à la ceinture du pantalon. Moi, je suis assise, je ne vais pas m'asseoir dessus, mais voilà. Et ça, c'est le deuxième. On vient brancher un autre casque dessus qui est. Enfin, pas le casque, le micro là-dessus qui est là-dedans. Bon, voilà. Et puis, il y a le récepteur que je ne peux pas vous montrer puisqu'il est fixé là sur ma lampe avec le téléphone, avec le casque, avec tout ça. Je suis en train de vous parler avec le gros casque sur les oreilles. J'ai l'impression de faire de la radio. C'est très, très bizarre. Je m'entends parler, c'est une horreur, je le déteste. Ça. Bon, on s'en fout? On s'en fout. Ah oui, peut-être que quand mon collier tape contre le micro. Ah oui, c'est très très nul. Alors il faut que je trouve face autrement, je ne sais pas comment. Bon, j'espère que le son sera bon. Bref, vous avez compris, on est en phase de test. J'ai eu énormément de mal à paramétrer le schmilblick pour que ça fonctionne. Ça fonctionne. Espérons que ça dure. Et on attaque tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a fait hier que vous n'avez pas vu et que vous ne verrez pas puisque la vidéo a tout planté dans tous les sens? Hier, on a fait ça. On a fait ces deux pochettes-là. Depuis, j'ai refait celle-ci plus petite parce que celle-ci finalement ne rentre pas dans un junk, dans un journal, si le journal vient d'un livre. Elles sont trop larges. Donc aujourd'hui, on fera un intermédiaire entre cette petite pochette et cette grande pochette. Mais on va faire ça. Je vous montre tout ça. Alors, les grandes. Ici, on a un petit Père Noël qui lit sa lettre. Vous avez reconnu peut-être, je ne sais pas si vous avez reconnu. Ce sont deux papiers d'un des blocs d'action 30-30 qu'on a cette année. J'ai pris les deux dans le même. Voilà, celui un peu naturel avec la photo en bas, avec le sapin de Noël, les cadeaux. Entouré de craft et tout ça. Hop, notre petite attache avec une attache parisienne. On ouvre ici. Voilà, là c'est tamponné, c'est décoré avec un petit nœud, des petits die cuts qui viennent de ce bloc-là principalement. Pas que, hein, j'ai peut-être pris aussi les die cuts qui viennent des années précédentes. J'ai dépioté les paper craft sets de cette année, comme ceci. Voilà, donc moi je fais ça, je me fabrique un bloc avec les A5. Donc là il y a celle de l'an dernier et ceux de cette année. J'avais rien fait pendant l'an dernier à peu près, donc il m'en reste énormément. J'ai pioché dedans un petit peu au fil de l'année, mais assez peu. Enfin, des trucs qui ne faisaient pas Noël, quoi, dans l'année. Et là, il y a ceux de cette année à la fin. Ça, ce sont les die cuts de cette année et de l'an dernier. Pareil dans les papercraft sets, hein. Je vous montre comment je fonctionne. Donc là, c'est ceux de cette année, voilà. Et ceux de l'an dernier qui sont après. Voilà, à partir d'ici, c'est ceux de l'an dernier. Vous voyez, j'avais pioché dedans, il y a des trous. Il y a des pages que j'ai déjà enlevées parce que ben, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. J'enlève la page, voilà. Donc pareil, ceux-là, je les colle aussi. J'en fais un bloc aussi. Et puis il y a le bloc des A4 qui est là en train de sécher. Oh, bonjour les hommes! Bonjour les scrapouillettes! Comment que ça va bien? Qu'est-ce qu'ils m'apportent les hommes? Oh, un petit café, c'est gentil. C'est le petit chat. Je peux pas vous montrer, sinon je vais vider le café. C'est le petit chat qui dit dormir la journée et jouer la nuit. C'est le petit chat qui correspond bien à Loulou. Là. Dormir la journée et jouer la nuit. Voilà. Bon, on s'en fout, mais merci, les hommes. Il m'a perturbé. Voilà, donc le A4. Pareil, je fais un bloc avec les A4. Donc j'ai repris le bloc de l'an dernier, j'ai rajouté ceux de cette année devant. Donc je l'ai fait il y a peu de temps, c'est en train de sécher. Si, ça a l'air de tenir. Si, ça tient. Je trouve ça tellement plus pratique d'avoir des blocs comme ça à manipuler que des feuilles nues. Voilà, bah, tout ce qui est là, c'est ceux de cette année et tout ce qui est là, c'est ceux de l'an dernier. Voilà, bon, ça c'est pour les craft sets, vous vous en foutez, c'est pas très important. Il y a les stickers aussi qui sont là, que je sors pour décorer nos petites bricoles, ça peut servir. Donc on va utiliser de toute façon tous ces trucs-là, des craft sets, les blocs 30-30, les blocs 15-30, les blocs enfin, tout, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Oui, les Luxe Paper Blocks, ça, parce qu'après tout c'est exactement la même chose, hein, si ce n'est que c'est un autre, se présenter autrement. Les vélins là, souvent j'entends dire que. Je me répète un peu par rapport à la vidéo d'avant, mais ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, bon voilà, tout ça, tout ça. Si vous ne savez pas
Comment utiliser ça? Bon, on va essayer de s'en servir. Là, vous voyez, je me suis déjà servi de deux petites bricoles ici et de ce qu'il y avait là. Voilà. Bon, allez, je vous montre tout ça. Donc là, on a de la déco. Ici, je n'ai pas fait de pochette, rien du tout. Vous verrez, l'autre n'est pas faite sur le même modèle. Des petits die cuts à droite à gauche. Paf, paf. Et là, on a une, deux et trois pochettes décorées. Je n'ai pas décoré les deux du côté ici. Là, j'ai mis un casse-noisette et puis un petit tas de cadeaux. Et on a là des petits... Alors, j'y mets des petits goodies de Noël. Hein. Après, on met ce qu'on veut. Hein. Là, c'est un petit ticket. Enfin, un immense ticket. Je ne sais pas pourquoi ils ont prévu d'imprimer ça aussi grand que ça. On n'a jamais vu un ticket aussi grand. Donc, il ne rentre pas. Je suis obligée de le plier. Des vieilles cartes de Noël. Alors ça, c'est une vieille carte de Noël, mais j'imprime ça sur de la toile. Vous savez, les toiles qu'on a chez Action en bloc. C'est génial pour imprimer dessus. Et puis après, bah voilà, des petits die cuts, alors c'est soit, enfin des petites bricoles, alors c'est soit des trucs que j'ai récupérés dans des blocs, ça c'est les fameux, ah bah c'est les tags qui vont dans les, qui viennent des craft sets dont je viens de vous parler, vous savez, il y a une plaque avec 8 tags, 10, 8 ou 10 tags, je sais plus, dans chacun des paper craft sets, bah voilà, c'est ces petits tags là, vous allez voir, j'en ai parsemé un petit peu partout, parce que je les trouve tout mignons, ceux-là aussi, celui-là aussi, voilà, à droite on a quoi, on a une carte postale. Ça, c'est des choses que j'imprime, que je découpe, que je colle dos à dos pour avoir deux cartes postales. Puis ça fait des petites pages de journaling. Pour, voilà. Donc, je vous mettrai en lien sous toutes les vidéos. Je pense que je vais le faire une bonne fois pour toutes. Vous savez, sous les vidéos, là, vous avez toujours la liste. Ça, c'est sur de la toile. Vous avez la liste des objets que j'utilise couramment. Donc, dans cette liste, vous trouvez, je sais pas moi, le lien vers la brosse pour les dailles, le lien vers mes perfos, je crois, j'avais dû le mettre, enfin, vers pas mal de choses. Bon, bah, je ferai la même chose avec des liens vers, quand je les ai encore, certains sites où je trouve mes trucs à imprimer. Spécial Noël. Alors, je ne vous dis pas que je retrouverai tout, parce que ça fait un bail que je fais ce genre de choses. Donc, bon. Voilà, les petits tags bah, que vous connaissez des paper craft sets. On a quoi? On a ces petites choses-là. Et donc, j'imprime... Éventuellement, une autre astuce, j'imprime recto verso. D'un côté, j'imprime une page comme ça, façon vieux livre. Comme ça, quand je découpe, je n'ai pas un papier blanc au dos, qui fait, à mon avis, trop moderne et pas fini. J'aime pas. Ça, c'est un papier d'Action qui ne me branchait pas trop. C'est un marbré. Alors, ça ne va pas tellement avec Noël, mais bon. Et la toile, des fois, je la colle sur un papier dans le même genre. Voilà. Donc, j'ai mis plein de petites cartes, des petits morceaux de toile, comme ça. C'est des vieilles cartes. Des tags. Ça, c'est imprimé sur un papier d'Action. C'est beaucoup des papiers de ceux-là. Les papiers qui ne me plaisaient pas là-dedans, je les ai récupérés parce qu'ils sont pas recto verso. Et je l'ai imprimé là-dessus. Parce que du coup, ça fait des trucs épais, c'est pratique. Et au moins, quand ça vient de là, c'est des papiers ben, typés Noël, quoi. Ça, c'était un papier que j'avais teint. Là, tiens, le vélin. Voilà. Bon, on va pas passer 10 ans à décortiquer ça. De toute façon, ces petits goodies, vous, il vous en faudra aussi pour mettre dans votre journal, si vous voulez. Après, si vous voulez remplir le journal avec d'autres choses, avec des trucs plus personnels, avec des cartes qu'on vous aura envoyées, des petits mots doux, des tout ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'imprimer ou de garder ou de récupérer des goodies comme ça. Hein. C'est une façon de faire, c'est pas la seule. De toute façon, je l'ai déjà dit et je vais le redire X fois, tout ce que je présente là, c'est des possibilités, mais il n'y a aucune obligation. Voilà, donc ce qu'on va faire ce soir, oui, ce soir, c'est cette petite pochette-là. Donc, si vous la faites à partir d'un 30-30 complet, vous pouvez faire un truc grand comme ça. Et là, elle fait 14 cm, je crois. Voilà, elle fait 14 cm de large. C'est trop grand pour rentrer dans un journal. Aujourd'hui, on va faire ça à partir d'un 30-30, mais on va faire en sorte qu'elle soit plus étroite. Pas forcément moins haute. En hauteur, c'est pas gênant. Mais en largeur, il faut qu'elle soit plus étroite. Il y a deux manières de la faire plus étroite. Je vous montrerai ça. Allez, je vous montre la deuxième. Il n'y a pas de grande surprise. On est dans le même esprit. Hein. Mais ici, là, on avait le même papier là et là. Et ici, non. Parce que j'ai déjà fait des pochettes. Donc là, j'ai décoré à peu près pareil. Hein. Mais là, j'ai fait déjà deux pochettes ici. Donc en fait, là, c'est pas une 3 pochettes, c'est une 5 pochettes, celle-ci. Donc on a déjà une pochette ici. Avec, pareil, des petits goodies. Bon, on va pas passer 3 ans sur les goodies. C'est un peu tous les mêmes. Là, j'ai fait un petit temps, j'ai tamponné. La magie de Noël, c'est de tendre un moment en famille. Dessous, je vais coller un petit napperon pour cacher que le papier dessous est à l'envers. Et oui, parce que pour qu'il soit à l'endroit ici, c'est qu'il est à l'envers, là. Donc là, c'est à l'envers. Donc le fait de faire des pochettes ici, ça cache. Et de décorer au-dessus, bon, quand il y a les goodies, ça ne se voit pas de toute façon. Mais c'est quand on les enlève qu'on voit que c'est à l'envers.
Deuxième pochette ici avec le Père Noël. Alors pareil, les die-cuts, c'est pareil, je les ai pris dans le Paperlux machin. Là, on a l'autre moitié du doily, là, du napperon de l'autre côté. Une petite carte postale pareil. Pour pouvoir venir écrire dessus. Des petits timbres. C'est la profusion et le fait de tout voir qui est joli. On voit tout. Là, c'est mignon. J'adore ça. Je pourrais passer des heures à chercher le bon papier à mettre au bon endroit. Et dedans, hop, j'ai pas mis de décollat. Là, j'ai mis un petit sapin. Il est là, le sapin. Un petit bonhomme de neige. Bon, et puis des goodies. Je vous détaille pas tout. Qu'est-ce qu'il y a de sympa là? Il y a ce dessin-là, mais que j'ai imprimé sur la toile. Super joli, je trouve, ce Père Noël. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ces petits goodies là, là, les petits Père Noël sur une partition. Là, on a si on a un tag cadeau qui change. C'est original. Ah si, ça faut que je sorte pour vous montrer le fond. Voilà, le vélin. Ho ho ho. Avec le petit traîneau. C'est deux trucs différents. Hein. Voilà, c'est ce qu'on trouve dans les Luxe Paper Block. Du coup, on voit même pas que c'est du vélin. Voilà, une manière de les utiliser. Là, on a un tag comme vous avez vu les fois d'avant. Paf. Après, on a quoi devant? Hop, une petite carte. Alors, vous voyez, là, j'ai fait les contours dorés avec des feutres d'action. Il y a les dorés, les argentés. Vous savez, c'est des feutres calligraphie qui vendent par lot de 3, qui sont assez larges. Ils ont des mines de 2, de 3,5 mm et demi ou de 5 mm. Mais vous venez passer sur les bords comme ça. Et ça vous fait un petit bord doré, là, qui fait un petit côté un peu vintage, un peu sympa, je trouve. Et la découpe, c'est avec mes ciseaux crampeurs, mes fameux ciseaux crampeurs MAPED là que j'adore. Ceux-là, là, avec les lames interchangeables. Alors ceux-là, si vous intéresse, vous les avez dans la description dessous. Hein, c'est marqué ciseaux crampeurs. Alors pas ceux-là, ça je les avais trouvés à Noël, mais voilà, c'est ceux-là. Avec le petit bouton là, push. Et vous venez changer la lame. Clic. Voilà. Pareil de l'autre côté, là je ne peux pas les faire, mais forcément, ce n'est pas les deux mêmes lames. Et pour du vintage comme ça va super bien parce que les vieilles photos, elles étaient jamais droites. De toute façon, elles étaient bien toujours avec des bords découpés comme ça. Donc, c'est super sympa. Celui-là, je vous l'avais montré. Petit machin de bingo. Une ancienne carte de vœux. Merry Christmas. Sur de la toile. J'adore cette impression sur toile. Ça rend super bien. Mais il faudrait vraiment que je les mate toutes. Puis des petits tags. Tout simplement. Voilà. Et là, pareil, alors là, on a une carte postale. Voilà. Et puis un tag. Un petit Saint-Nicolas qui vient d'une page X ou Y imprimée de je ne sais où. Et des petites fleurs de Noël, pareil. Ça se voulait être du Noël. Je ne sais pas si c'est vraiment du Noël, mais bon. Ça amène un peu de fleurs. Moi, ça me manque quand il n'y a pas de fleurs. Voilà. Et donc là, on a 5 pochettes. On referme tout ça. On remet notre petit lien. Ah, je ne vous ai pas montré le bout. Et bien, le bout, on a le petit Papa Noël qui est là. C'est le même que sur l'autre. Et au dos, on a notre petit Rudolf. Enfin, il n'a pas le nez rouge, mais on pourrait lui faire un nez rouge. Et voilà. Et donc, ben, ces petites pochettes, bon, là, celles-ci sont trop grandes. Celle qu'on va faire aujourd'hui sera plus petite, donc vous pourrez la mettre dans votre journal. Sinon, ben, vous pouvez bien les offrir comme ça. Vous l'offrez à Noël avec des petites choses dedans, avec une carte, avec vous écrivez votre petite lettre dans la pochette du milieu, puis à gauche vous mettez un billet, puis à droite vous mettez une carte cadeau pour aller, je sais pas moi, au théâtre, à Tataouine-les-Bains, ou j'en sais rien. Je vous montre la petite. Alors la petite, ça c'est le verso du papier, parce que là les deux papiers que vous avez vus, c'était les papiers uniquement recto, donc à l'intérieur j'avais tamponné pour cacher le côté blanc. Ça c'est un papier recto verso, c'est pas action ça. C'est un bloc de Noël, je ne sais même pas d'où il sort. Et donc, de chaque côté du bout, là, c'est un petit flocon. Et là aussi, qui sont sur le papier de l'autre côté. Et là, vous voyez, je n'ai pas mis une attache parisienne, j'ai mis un œillet. Donc, il y a ça, collé sur deux autres papiers pour le rigidifier, parce qu'il n'est pas très épais. J'en mets l'œillet, je fais le tour de l'œillet avec ma ficelle. Je ne fais pas un nœud, ce n'est pas la peine, mais je fais le tour de l'œillet. J'enfile l'œillet là-dedans, et après seulement, j'écrase pour que la ficelle soit tenue dans l'œillet. Faut pas se louper. Hop, vous voyez, voilà le verso. Donc, ce qui est là de chaque côté, il y a celui-ci et celui-ci. Et celui que vous trouvez ici, c'est celui-là. Voilà. Les chats qui se font la guerre, je sais pas ce qui se passe. Vous remarquerez que j'ai plié les bords, là, pour qu'on retrouve le motif ici. Il se joint, là. Vous voyez. Et pareil, si je retourne les deux, pareil dans l'autre sens. Forcément.
Voilà, je trouvais ça sympa. Et hop, j'ouvre ma petite pochette, toute mignonnette. Voilà, donc là, je me suis pas, j'ai pas cherché, j'ai mis, parce que c'est plus petit, hein, et j'ai pas non plus des milliers de goodies, donc j'ai mis que des petits tags qui viennent des paper craft sets d'action. Après, voilà, on bricole d'autres choses, on met tout ce qu'on veut, hein. Ah oui, à part ça. Vous voyez, là, j'ai cranté avec mes ciseaux cranteurs, tout de suite, ça donne un côté vieilli. Et je suis venue ancrer, mais au lieu d'ancrer comme ça, j'ai juste tapoté comme ça sur le bord. Juste pour marquer les pointes et que ce soit pas régulier. Voilà, ça rentre au millimètre. Et puis, deux petits tags. Alors, ça, c'est un des tags des Paper Crafted. Ça, c'est un autre que j'ai imprimé, moi. J'en ai imprimé une page de plusieurs tags, vous voyez, ceux-là. Il y a, je sais pas, je sais plus, je crois que c'est 6 et 6, il doit y avoir 12 tags, un truc comme ça. Je pense que j'ai imprimé, que j'avais imprimé sur un papier d'action directement. Voilà, et ça c'est carrément un papier que j'ai pris dans les 30-30 de l'an dernier, si vous vous souvenez de ce papier-là. Donc je prends ma feuille 30-30, je la coupe pour qu'elle fasse 20 ou 21 de large. En longueur, je laisse, hein, parce que 30 ou 29,7 c'est pareil. Et j'imprime directement là-dessus. Donc comme c'est du papier en 230 grammes, ça reste assez épais. Et on peut s'amuser. Et puis du coup, là, j'ai déjà du Noël au dos. Donc en plus, ça colle bien avec le thème. Voilà. Hop. On remet ça là. Je sais pas si c'était celui-là que j'avais mis. C'est pas grave. Voilà. Il y a plein de manières de faire des petits goodies pour imprimer. Des petites astuces pour imprimer. Vous imprimez directement donc sur les papiers d'action. Voilà. En plus, si vous avez des papiers à paillettes ou à foil, c'est sympa. Des papiers que vous aimez pas, bah, au moins, vous les passez. Mimi, arrête de faire du petit bois avec ta cagette. Je vous jure, fais des jeux de Mikado avec sa cagette. Vous pouvez imprimer donc directement sur du papier d'action. Du papier ou pas d'action, mais décoré. Vous pouvez imprimer sinon recto verso. D'un côté, vous mettez vos motifs et de l'autre côté, vous imprimez des grandes pages de trucs uniformes, de trucs vintage et tout, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez imprimer sur de la toile. Pourquoi d'autre? Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient parce qu'il y a Mimi qui découpe sa cagette. Ça me perturbe un peu. Bon, allez, maintenant qu'on a bien blablaté. Puis là, je viens de faire une pause de 20 minutes. Alors, je ne sais plus vraiment trop où je vous ai laissé. Mais bon, petit café? Froid? Presque? Oh oui, froid. Et on attaque? Alors. On va faire notre petite pochette, donc je vais en faire qu'une. Et je vais la faire avec ce bloc-là, j'avais envie. J'ai envie de changer, puisqu'hier j'en ai fait deux, même si vous ne vous souvenez plus, mais j'en ai fait deux dans un autre bloc. Donc là, je vais en faire une dans ce bloc-là. Et on va la faire plus étroite que ça, pour faire en sorte qu'elle rentre. Alors si vous ne voulez pas, bah, vous la ferez moins étroite, vous la ferez les grandes comme ça, si vous voulez l'offrir seule. Si vous voulez la mettre dans notre journal, il faut la faire plus étroite. Si vous voulez faire plus petit. Celle-ci que vous avez vue, elle est faite avec une page en 20 par 20. Pas du 15-15, hein, du 20-20. Du 15-15, j'ai peur que ce soit d'abord, souvent c'est des papiers très fins. Ensuite, ça risque d'être quand même vraiment très petit comme pochette. Hein. Ça peut être marrant, hein, faut tester. Celle-ci, c'est fait dans du 20-20. Autrement dit, là, vous avez 20 cm. Donc, soit vous avez du papier en 20 par 20, soit vous avez. Donc, vous prenez du 30 par 30. Et pour la faire un peu plus petite que ce qu'on a fait hier, là, que les deux grandes que je vous ai déjà montrées. Il y a deux options. Soit on vient couper un carré. Il faut un carré. Donc soit on vient couper 20 par 20. Et ça fera un truc comme ça. Ou un peu plus grand. On peut couper du 25 par 25, 23 par 23, ou je ne sais pas quoi. Soit, tout simplement, et c'est ce qu'on va faire nous aujourd'hui, on va garder une page en 30-30, mais on va la plier différemment. Alors j'ai déjà choisi, je vais prendre celle-ci parce qu'elle me plaît bien et parce que elle n'est pas orientée. C'est plus simple aussi, quand on veut en faire qu'une surtout. De prendre un papier qui n'a pas d'orientation. Hier, j'étais embêtée avec celui-ci, qui est orienté, donc on a des Pères Noël, voilà, il n'y a qu'un sens. Donc forcément, il y a un moment donné où si je n'avais pas fait les pochettes là en bas, ben, là, ça aurait été à l'envers. Prenez un papier qui n'est pas orienté. Bon, c'est vrai que dans l'idéal, un papier qui n'est pas orienté posera moins de soucis. Pareil, la petite, je l'ai faite dans un papier qui n'était pas orienté non plus. Hein, là, que ce soit ce côté-là, c'est des. Flocons dans tous les sens, et à l'intérieur, c'était des flocons dans tous les sens. Il y avait juste un petit carré en bas, c'était marqué Winter. Mais comme ça m'a servi à faire ma pochette, donc je l'ai retourné, je l'ai collé, c'était pas dérangeant. Bon, après tout ce blabla, on attaque. Je prends cette feuille qui donc n'est pas orientée, on peut la prendre dans le sens qu'on veut. Elle est carrée, on va la laisser telle qu'elle. On ne prend pas de mesure. Vous pouvez, si ça vous amuse, prendre des mesures. Moi, ce que j'aime dans ces journaux, c'est aussi qu'on part un peu comme ça vient, en mode. Je sais pas moi. Hein? Bon. Alors, on va la plier en trois. Là. Clac, clac. On veut deux plis. Donc, imaginons là, hop, j'ai ma feuille, elle est comme ça. Donc, ce qu'on va plier ici, ce sera la hauteur de ça. Donc, ça, il ne faut pas que ce soit trop haut. Par contre, ça, ce rabat-là, vous voyez, là, il vient jusque-là. Il pourrait bien venir jusqu'en bas, ce ne serait pas gênant.
si vous en voulez une qui soit aussi haute que ça, pour faire celle-ci, j'ai à peine croisé les deux. J'ai croisé de 2 ou 3 cm les papiers, là, comme ça. Je vous montre. Comme ça. En hauteur, c'est pas gênant. En hauteur, on aura la place dans le journal. C'est en largeur qu'il va falloir qu'on fasse attention. Donc, choisissez la hauteur de vos pochettes. Bon, je les pochette pas trop hautes, parce que j'aime bien pouvoir y mettre des petits tags, par exemple. Et que pour y mettre des petits tags pas hauts, bah, il faut qu'on puisse les voir. Donc, il ne faut pas des pochettes trop hautes. Voilà, donc je vais plier ici. Avec mon plioir, voilà. Non, essayez de pas trop insister parce que les papiers, alors souvent on dit ouais les papiers d'Action ils sont pas de bonne qualité parce qu'ils se déchirent. Je vous promets qu'il n'y a pas qu'Action. Hein. Il y a pas mal de papiers qui ont tendance à se déchirer. Stamperia ne déchire pas trop par exemple. Bon là je vais croiser comment? Je vais faire une pochette qui descend assez bas parce que j'ai envie que ça se ferme un peu plus bas. Allez, hop, je fais mon pli ici. Voilà. Maintenant qu'on a ces deux plis, donc j'insiste pas trop sur les plis pour éviter que ça casse. Je rouvre tout ça et je le prends dans le sens où ça va être. Voilà, donc mon petit pli en bas, voilà, donc ça, ce sera ma pochette centrale ici, comme ça. Sur les côtés, par contre, ce sera différent parce que vous voyez là, il y a des trous. On n'a pas laissé les choses telles quelles. On va venir découper. Bon, et là, on veut plier sur les côtés comme ça. Sauf que voilà, c'est là qu'on veut pas aussi large que ce qu'on avait hier sur les grosses. Donc je rouvre ça et on va venir plier les côtés. Hier, je disais, pareil, de peu chevaucher, comme ça à peu près. Sauf que bah, du coup, on se retrouve avec quasiment 15 cm. Donc là, on va faire l'inverse. Moi, je vais essayer là de faire quasiment des rabats complets. Vous voyez ce que je veux dire? Plier en 3. Alors, si vous voulez prendre des mesures, ça veut dire qu'il faut faire des rabats d'à peu près 10 cm. Quoi. Et donc, on aura 10 cm à peu près au centre. Donc, 10 cm, ça va rentrer nickel. Là, hop, je me base sur le quadrillage du mat en bas. Là, vous ne le voyez pas parce que là, je n'ai pas la place. Voilà. Là, hop, je suis sur le 8 ici. Le 8, là, je suis à 18 et 28. Je me base là-dessus. Voilà. Du coup, on n'aura que cette largeur-là. À la fin, donc que je rabatte d'abord le rabat droit, enfin le plus petit, et après l'autre ou inversement, ça change rien. Et en largeur, là, je me retrouve avec voilà 10 cm, un poil plus de 10 cm. Bon, et donc on va faire notre pochette comme ça et ça comme ça. Bon, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on vienne faire de la découpe. Alors, moi, vous pouvez couper au massicot sans aucun problème. Les massicots sont à côté de moi, tout, ils sont prêts, mais comme je me suis fait le petit plaisir de m'offrir des ciseaux Timols avec des grosses poignées comme ça, j'ai déjà ces ciseaux-là, les ciseaux fins de précision avec ces poignées-là toutes souples, ça c'est magique ça, c'est énorme, mais plus petit. Et là, j'ai voulu m'offrir les gros ciseaux, et en fait, c'est un vrai régal, du coup, bah, je me fais plaisir, alors voilà. Donc, je vais couper au ciseau, et je vous montre, on va couper ça, les quatre coins. Je les coupe de manière à ce que les plis, là, qui sont un peu tout cacaboudins, parce que ça a fait des plis un peu partout, c'est pas joli. Donc, je vais laisser les plis sur ce que j'enlève. Donc, je vais couper un tout petit peu à l'intérieur des pochettes. À l'intérieur du bidule, si possible droit, ce qui n'est pas toujours une évidence. Voilà. Et là, pareil. Et c'est ce qui va faire aussi, le fait de couper comme ça. De l'autre côté du pli, au lieu d'être au milieu du pli ou quoi, hop, c'est ce qui va faire qu'on va avoir des... On va pouvoir fermer notre pochette à la fin, vous voyez, comme ça. C'est ce qui... Donc la première fois, j'ai coupé, en fait, contre cette pochette-là, ici. Puis après, ça, on les recoupera pour qu'ils soient un peu mieux finis, un peu plus jolis. Et c'est ce qui fera l'espace, là, entre les pochettes. Plus ou moins droit. Après, c'est pas la fin du monde, hein, non plus. Et c'est ce qui fait que ça pliera. Et comme on coupe à l'intérieur du pli, vous voyez là le pli il est marqué avec l'encre et j'ai coupé juste en dessous ici et c'est ce qui fait que ça on peut les refermer malgré un peu d'épaisseur et refermer ça par dessus sans que ça accroche. Donc de toute façon on est obligé de couper un peu comme ça pour que une fois qu'on a rempli avec nos goodies ça ferme correctement. Allez, on coupe les autres. Hop, on a coupé tout ça. On retrouve le sens d'origine. Voilà, c'était la petite pochette en bas, gauche, droite. On vérifie que ça ferme. Là, c'est bon. En haut, ça ferme tranquille. Ça ne bouge pas. S'il y a besoin, on vient
ajuster, recouper légèrement, refaire un peu droit. Bon, si vous avez coupé au massicot, vous êtes tranquille, vous savez que c'est droit. J'ai voulu faire la belle avec mes super ciseaux là, donc c'est pas très droit, mais c'est pas grave. Quand c'est fini, ça se voit pas. Puis j'aime bien le côté un peu artisanal, il faut hein, un peu de tolérance. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, hop, si on veut, si on veut pas, c'est chacun fait comme il veut. Clic, clic, moi je viens arrondir mes coins. Je trouve ça plus sympa. Alors après, vous arrondissez ceux que vous voulez. Vous pourriez arrondir uniquement, vous savez comment elle est faite, la pochette maintenant. Vous n'êtes pas obligé d'arrondir tous les coins, vous pouvez en arrondir que certains. Vous pouvez arrondir les coins des pochettes ou pas, qu'on va venir coller dessus. Faites comme vous voulez. Moi j'arrondis là-dessus, j'arrondis tous les coins. C'est-à-dire que ça, ça va être ma pochette qui va venir coller ici. Donc j'arrondis ces coins. C'est une question de goût. Donc j'arrondirai aussi les coins en haut des deux autres. J'ai même arrondi les coins, hop, là en bas, ces deux coins-là. Donc je viendrai, quand je prendrai ces chutes-là. Ah, bah alors, elle ne veut pas venir, ça. Quand je viendrai tailler ça, là, comme ça, comme il faut. Donc je vais vous montrer. Ça doit être celle qui vient là, je pense. Alors là, on a quatre chutes et on a besoin que de deux pochettes. On va faire que trois pochettes, hein. On va pas faire les pochettes à l'extérieur. On va faire que ça. Donc vous pourriez prendre celle-ci pour venir mettre là, si vous vouliez faire une pochette plus haute, par exemple. Enfin, moi, en l'occurrence, ça ferait une pochette plus haute si je mettais ça là. C'est une possibilité. Ça pourrait être l'inverse, elle pourrait être plus petite. Bon, mais pourquoi pas? Là, non, moi, je vais faire les trois pochettes, les trois de la même hauteur, à peu près de la même hauteur, voilà. Donc, je viens prendre mes coins, là. Je viens recouper mon pli, justement. J'avais coupé de l'autre côté du pli pour ne pas avoir le pli ici, voilà. C'est cet endroit-là. Mais là, je viens l'enlever, le pli tout cacaboudin qu'on avait tout à l'heure. Comme ça. Je vérifie quand même que ça passe bien, qu'il y ait la bonne taille. Voilà, en taille, on est pas mal. Il y a un petit blanc au milieu, donc ça va permettre de faire de faire l'articulation de la pochette assez facilement. En taille, on est bon. Hop, voilà. Donc là, je viens arrondir les angles, y compris là, puisque... Est-ce que j'arrondis celle du milieu, par contre? Tout à l'heure, sur l'autre, j'avais tout arrondi, les angles. Mais là, je vais peut-être pas arrondir celui-ci. À moins que j'arrondisse à l'extérieur. Ouais, non, je vais pas arrondir celui-ci. C'est vraiment une question de goût, ça, hein, puis c'est même pas obligatoire. Donc vous arrondissez si vous voulez, si vous voulez pas, vous arrondissez pas. J'allais le faire encore, hein. Ben oui, hop, voilà, comme ça. L'autre, je fais la même chose, puis on se retrouve après. Hop là, j'ai un peu triché. Donc j'ai préparé mes deux pochettes, et je suis venue ancrer ma forme générale. Pareil, ça c'est pas obligatoire. Enfin, de toute façon, c'est même pas obligatoire de faire ce tuto, hein, dans l'absolu. Hein, c'est toujours pareil, faites ce que vous voulez. Non, décidément, la main gauche, c'est pas mon truc. Par contre, avant de finir d'ancrer, pof, je viens prendre une perfo ronde. Alors, de la taille que vous voulez. Comme vous voulez, vous pouvez prendre la punch d'action, là, qui fait qui est faite pour faire ça. Voilà. Hop, on va faire ça ici. Touk, ça vole. Ça vole, ça s'envole. Et celle-ci, on va la faire ici. Hop là, ça vole. Je vous dis, ça vole. Et puis on va venir. On va pas venir coller tout de suite. Alors hop, je finis d'ancrer là mes petites pochettes. Et avant de coller nos pochettes, on va venir, puisqu'on a un papier uni blanc à l'intérieur. Alors si vous avez pris un papier qui est recto verso, eh ben vous pouvez sauter cette étape, c'est bien pratique. C'est ce qui m'est arrivé sur la petite pochette là, celle-là. Puisque les deux, j'avais deux côtés décorés, donc il n'y avait pas besoin de faire quoi que ce soit à l'intérieur. Mais là, on va venir hop, tamponner l'intérieur. On pourrait faire quoi? On pourrait coller du serviettage, on pourrait faire plein de choses. Bah tiens, j'ai eu l'idée en cours de route, alors du coup, bah, j'ai envie de faire ça. Puis voilà, c'est tout. Hop, j'ai pris une des serviettes. Et hop là, c'est une des dernières que j'avais achetées à Action. Voilà. On met ça de côté. Est-ce qu'on a bien qu'une épaisseur là? J'ai l'impression, mais... Non, raté. Allez, on récupère notre feuille. Voilà. Et on va venir coller ça, tout simplement. Alors, soyez indulgente avec moi. C'est du médium mat fluide. Soyez indulgents, j'ai jamais fait spécialement de serviettage. Donc, voilà.
Alors, on va pas faire toute la forme. C'est pas la peine. L'intérieur des pochettes, on n'a pas besoin de venir coller quelque chose. Là, j'angoisse parce que je me dis, elles vont me juger. Elles vont me dire, oh, tu fais pas comme il faut. Elles auront raison. Là, on en veut sur là et les trois cases ici, mais sur le sommet, pas partout. Et on pose au milieu et on étire vers l'extérieur. Là, je connais la théorie, hein. Il n'y a pas de souci. La théorie, il n'y a pas de souci. Ça s'est un peu déchiré, par contre, quand j'ai enlevé la deuxième épaisseur. Là, on n'est pas trop mal. Après, moi, j'avoue que si ça fait des petits plis, ça ne me perturbe pas. Au contraire, j'aime bien le côté artisanal, pas parfait. Voilà. Et puis, on n'a qu'à dire que ce n'est pas du serviettage, c'est une nouvelle technique. Ouais, je veux réinventer la roue, comme on dit. Voilà, et puis je vais venir découper autour. Ça, vous n'avez pas besoin de moi. Vous découpez autour, et on se retrouve après. Hop, et voilà. Bon, ça va, je me débrouille pas si mal. C'est pas parfait, mais c'est pas grave, ça va bien. Et nos petites pochettes. Non, elles sont pas dans le bon sens. Comment je sais? Mais par le coin, là, qui est pas arrondi. Hop, une petite pochette ici, une petite pochette là. Ouais, ça le fait aussi. Dans celle-ci, pour rappel, j'avais tamponné avec ce tampon-là. Mais vous allez le voir souvent, ce tampon, parce qu'il est super beau. Voilà, donc là, du coup, on n'a pas eu besoin de tamponner, puisqu'on a directement recouvert avec un papier. Mais l'avantage, c'est que c'est un papier qui est très fin. Je ne sais pas à vous que je vais apprendre à faire du serviettage, mais comme c'est un papier très fin, ça ne va pas déranger, ça ne va pas gêner pour les fermetures. Alors, pourquoi j'en ai pas mis partout? Et éventuellement, si j'y avais pensé plus tôt, on aurait fait ça directement sur la page en 30-30. On se serait moins embêté à les couper. Mais là, en l'occurrence, bah, pourquoi je ne l'ai pas fait en bas? Parce qu'on va venir coller nos... On va venir faire nos pochettes comme ça. Voilà, donc on n'en a pas besoin. Bon, si ça se voit un peu entre, là, on mettra un petit peu d'encre. D'ailleurs, là, j'en ai profité pour venir réancrer. Ah oui, j'ai oublié celle du haut. Hop, pour venir refaire un peu mon encre que j'avais fait dessous. Mais du coup, comme j'ai changé d'idée en cours de route, c'était plus ancré sur les bords. Voilà, on va venir coller nos pochettes. Et voilà, ils sont sympas ces serviettes, j'aime bien. Et elle est pas jolie notre petite pochette. Alors attendez, là j'ai mal coupé, vous voyez. J'ai mal collé en fait. Oui, j'ai mal collé ma pochette. Du coup là j'ai un vilain retour pas beau. C'est pas grave. Hop, on n'a rien vu. Il s'est rien passé. Vous n'avez rien entendu. Et si vous parlez, vous serez mouru. Ça y est, c'est l'heure. Vous connaissez le quart d'heure chat? Il y a le quart d'heure monde qui débloque. Mais quand elle commence, souvent, ça ne dure pas qu'un quart d'heure. Tiens, regarde, t'as vu? Il y en a un qui dit... Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est vrai? Ben tiens, il se marre, il se fout de moi. Bon, voilà notre petite pochette. Et donc, celle-ci qui était trop grande en largeur pour rentrer dans un journal... La preuve, alors ils ne font pas tous la même taille, mais voilà, si je prends celui-là par exemple, ça va être notre modèle. Tant qu'on n'a pas fait la structure du nouveau, ben voilà, on va se baser sur celui-là pour voir ce qui rentre, ce qui ne rentre pas. Voilà. La pochette d'hier, eh ben, on fait ce qu'on veut, mais elle a 2 bons centimètres de trop. Mais celle-ci, tadam, on peut la coller là, elle va nickel. Bon, maintenant, ça reste un objet assez épais, hein, parce qu'on a quand même quelques épaisseurs de papier. Sans compter ça. La serviette, parce que ça apporte pas tellement d'épaisseur. 2, 4, 6 épaisseurs, là, plus le rabat ici. Là, on a, au cœur, là, on a 7 épaisseurs. Hein. Tiens, ça peut être marrant de voir ça. Fais voir notre petit pied à coulisse. Hop, on le met à 0. Voilà, on va l'ouvrir et on va venir prendre la mesure en plein milieu. Là où on a les 7 épaisseurs. Oui, c'est ça. Vous voyez, ça fait 2 mm d'épaisseur. On comprend pourquoi mon machin est devenu obèse, là. C'est qu'à force de rajouter 1 mm d'épaisseur par-ci, 1 mm d'épaisseur par-là, 2 mm par-ci, elle me plaît bien. Moi, j'aime bien ces couleurs. Et j'aime bien cette forme un peu en longueur avec un rabat qui vient très bas. Je trouve ça joli. Je ne sais pas ce que vous en dites, vous, mais moi, j'aime bien. Ok, bon, alors, où qu'on en est? On en est là. Je n'avais pas envie de faire les mêmes fermetures que j'ai fait sur les autres. Comme ça, avec une ficelle. J'ai pas envie de ça. Juste pour que ça change, en fait. Alors, comment qu'on va faire? Je ne sais pas. On pourrait venir glisser ça sous un truc.
On va faire ça. Bougez pas. Je vous ai quitté en disant bougez pas. C'est marrant. Bon, c'est pas grave. Allez, j'ai pris des die cuts dans mes bidules et je suis venue les redécouper parce que j'aime pas comme ils sont découpés. Ils sont pas bien découpés. Lui, il avait plein de machins dans les bois. Je vais redécouper les bois. Là, pareil, j'ai découpé tous les petits bouts de bois. Là, le petit pain et tout, j'ai tout redécoupé aussi pour que ce soit plus fin. La petite étoile. Je ne sais pas encore où je vais mettre quoi. Et il me reste ça. Alors, ces trois petites étoiles, je pensais faire un truc comme ça. Et voilà. Et faire ma fermeture comme ça. Peut-être pas droite. Peut-être la mettre un peu de biais. Je ne sais pas comment. Et donc, ça, ça viendrait se glisser derrière. Je ne sais pas. Hein, ça le ferait. Ça change. Ça décore un petit peu. Et puis, ça fait la fermeture. Ça fait double emploi. Alors, je vais finir de redécouper mes petites étoiles. Et puis, alors, celle-là, par contre, si elle sert de fermeture, je pense que je vais la coller sur un bout de papier, peut-être une chute de ce papier-là, ou une autre chute pour la consolider un peu. Parce qu'à force de s'ouvrir et de se fermer, la petite pochette, là, l'étoile, c'est pas des papiers très épais, les die-cuts des craft paper sets, là, dont je parlais tout à l'heure. Alors, on va ancrer légèrement les bords, c'est juste pour mettre un peu de relief. On va pas les foncer, c'est déjà foncé tout ça, donc on va pas chercher à faire foncer, on va ancrer juste légèrement les bords, c'est juste pour que ça ressorte un peu de la page. Là, j'aime beaucoup le papier, donc on va pas non plus chercher à mettre des grandes décos. Alors, on va déjà voir à l'intérieur ce qu'on a, est-ce que ça suffit, est-ce qu'il faut qu'on en mette plus. On peut en mettre des tonnes, et donc on n'aurait pas besoin de mettre quoi que ce soit là pour la fermeture, puisqu'on fait la fermeture dehors avec notre grosse étoile. Ah zut, oui, j'avais pas pensé à ça. J'ai pensé à décaler le pimpin là, un tout petit peu ici pour que ça se voit pas là quand c'est fermé. Pareil dans l'autre sens avec le cerf, ce qui fait que si jamais je les plie dans l'autre sens, on voit pas le cerf. Mais j'ai pas pensé qu'on verrait le bas du cerf là. Ah oui, mais non, mais alors du coup, ah crotte zut, flûte cacaboudin, je me fais avoir. Parce que comme on a le bas du cerf, je ne peux pas mettre ma petite étoile là pour fermer. Ça ne marche pas, qu'est-ce que je suis bête. Crotte de flûte, je me fais avoir. Mais ça, c'est parce que je vous parle en même temps, je papote et du coup, je réfléchis plus. Bon, bah alors, faut trouver un autre moyen de fermer ça. Ah zut, comment je fais ma fermeture, moi, maintenant? J'ai trouvé, je suis trop forte, Ça va être trop bien. J'ai trouvé. Bon, je fais, puis je reviens, puis vous verrez. Vous allez voir, je suis trop forte. Et hop là, la magie fait que j'ai terminé, j'ai tout fini. Je suis contente, j'ai trouvé comment faire pour fermer mon bidule. Et ça marche bien, et je suis trop contente. Vous êtes prêts? Mais je suis contente, elle me plaît bien, cette petite pochette. Et étonnamment, elle ressemble pas du tout aux autres, je trouve. Je vous rappelle, les trois autres, voilà. Toutes choupettes. Et la dernière... Wouhou ! Pardon. Ouais, je suis un peu barjot, ouais, mais vous le savez déjà. Oh là là, c'est que vous êtes bien aussi barjot que moi, sinon vous ne seriez pas là. Oui, je sais, j'insulte ma communauté. Et toc d'abord. Elles sont trop, mes scrapouillettes. Allez, vous êtes prêtes. Oui, je parle au féminin parce que voilà. Paf! Ouais, j'ai fait durer le plaisir. Hein. Regardez, il brille! Je vais vous dire comment j'ai fait. J'ai récupéré dans les die cuts, je pense que 95% des die cuts que j'ai pris, c'est celui l'an dernier, pour pas dire 100%. Cette petite étiquette-là, pour toi, avec les petits sapins. Je suis tout venu redécouper le moindre petit truc, parce qu'en fait, c'était une grosse patate comme ça, là. Donc, je suis tout venu découper... Tous les petits bidules, c'est pas très compliqué, hein. Le découpage, je vous apprends pas, on sait tous faire du découpage. Bon. Non? Si? Je sais pas, des fois je vois des gens qui disent que oh, moi j'arrive pas à découper. Alors, vous me direz parce que moi je trouve ça facile, si vous avez besoin de conseils. Maintenant, peut-être que c'est pas facile pour tout le monde, hein, et je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Donc si jamais vous me dites, hein, si jamais vous avez besoin de conseils pour ce genre de découpage un peu précis, bah, vous me dites, puis je vous donnerai quelques conseils. Après, c'est beaucoup de pratique. Hein. Plus on en fait, plus on arrive à faire des trucs fins. Bon, voilà. Une petite étoile, une moyenne étoile, une grande étoile, c'est ce qu'on avait prévu au départ, mais donc c'est pas celle-ci qui me sert pour la fermeture. Pour la fermeture, j'ai trouvé, monsieur, dame, la biche ou le fan, je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé.
Comment j'ai fait le brillant? J'ai pris du scotch, alors pas du petit scotch de bureau, là j'ai pris du gros scotch d'emballage, vous savez, pour pas qu'il y ait une délimitation du scotch de bureau. Et je l'ai recouvert avec ça devant, mais surtout derrière, mais derrière je me suis arrêtée par là, à peu près, pour que le bas puisse coller correctement. Voilà. Et puis j'ai découpé autour, mais du coup ça permet d'avoir une surface brillante et surtout ça va le consolider. Monsieur, Madame Labiche, je l'ai collé sur un deuxième papier d'ici jusqu'en haut, puis un troisième papier d'ici jusqu'en haut pour pouvoir coller le bas, que ça fasse et puis que ça parte un peu en biais comme ça. Ça va pas se voir, je pense pas qu'on voit là la caméra, ça va être compliqué. Comme ça, il a la tête un peu décollée. On peut glisser ça derrière sans avoir trop de mal. Mais ça le consolide quand même. Et c'est surtout au niveau du cou, comme c'est pas large, je ne voudrais pas qu'il casse. Donc là, en ayant en plus une couche plastique devant et une couche plastique derrière, ça va le consolider. Bon, et à la longue, ça va forcément s'abîmer. Il faut être un petit peu délicat. Mais je trouve que ça rend bien. Et du coup, quand on ouvre tout ça, alors le top, ce serait éventuellement de prendre du Glossy Accent, par exemple, et de venir faire les étoiles. Et peut-être la cordelette ou un petit détail autour, là, pour rappeler un petit peu de brillance, ou autour de l'étoile, je sais pas où, enfin, amener des petites touches peut-être de brillant, ou les petits points. Là, de la guirlande du papier d'origine, pour qu'il n'y ait pas que ça de brillant. Bon, ben, je ferai peut-être ça après. Disons que là, si j'ai du glossy accent, je ne peux pas vous le montrer comme je veux. Donc, je ferai ça à la fin. Hop, je range dans un coin et j'y touche plus jusqu'à demain. Hop, on ouvre ça. Là-dessous, on retrouve notre papier qu'on a maté, là, notre serviettage. La petite étoile rouge, qu'on pourrait peut-être passer au glossy accent aussi, pourquoi pas. Du coup, il faudra le faire en deux étapes, une fois dehors, une fois dedans. Ou alors, il faut le placer, je ne sais pas où, pour que ça sèche. Et voilà, le truc que je trouvais sympa, c'est ça. C'est qu'on a, alors si on imagine que c'est une biche, ben, on a le couple. Si on imagine que c'est le petit, c'est papa et le petit, ce qui est assez rare, voire impossible à trouver. Généralement, c'est madame qui s'occupe des petits. Seul inconvénient, soit ça ne descendait pas assez bas, soit lui était trop petit, et je voulais que ça cache l'avant des pattes du cerf, sinon il n'y a pas de logique, il aurait flotté dans le vide. Oui, je sais, je suis peut-être un peu, je demande un peu trop de précision, peut-être, je ne sais pas. Mais donc, il fallait qu'il soit un peu en hauteur. Donc, j'ai récupéré une bûche aussi dans mes die cuts pour dire qu'il vienne se coucher sur la bûche. C'est pareil, ça, je ne pense pas qu'il fasse ça dans la nature, mais enfin, ça me choque moins que d'avoir une biche ou un faon qui flotte dans les airs. Voilà. Donc, fermé, on voit les pattes arrière du cerf, mais du coup, c'est moins gênant que tout à l'heure, puisqu'on se doute qu'il y a une scène là et on en voit quand même un morceau. Et ouvert, et ben on a la petite famille. Ils regardent tous du même côté. Et je trouve ça plutôt. Moi, je m'éclate. Je suis toute fière de moi, en fait. Je suis en mode autosatisfaction, autocongratulation. Et puis, c'est tout. Voilà. Et puis, dedans, ben, je vais vous montrer tout ce qu'on peut mettre dedans. Là, l'idée, c'est de voir aussi un petit peu si vous voulez l'offrir à quelqu'un en dehors du journal. Je veux dire, l'offrir comme ça, c'est de montrer tout ce qu'on peut mettre dedans. Alors, par contre. Si c'est pour mettre dans un journal, on va sûrement pas mettre tout ça à la fois, parce que je l'ai quand même bien chargé. On va regarder maintenant l'épaisseur qu'il a au plus épais. Alors, au plus épais, ça va être à peu près là. Et hop là, à peu près au niveau du cou de monsieur, dame, la biche, biche, cerf, truc, mûche là. Ça va être par là. J'écrase, mais sans écraser, je prends l'épaisseur normale. On oscille, après, ça dépend à quel endroit dedans, entre. Voilà, on est aux alentours d'un centimètre. Voilà, ça, c'est 1 cm. Voilà, 10 mm. Donc on a 1 cm là d'épaisseur. Ça va très très vite hein, dans un journal, je vous dis, il faut peu de pages et beaucoup de place. Hop, on l'ouvre. On l'ouvre. Donc ici, on a notre petit lapin et son petit copain, la mésange charbonnière ou je ne sais pas quoi, qui regardent tous à droite. Je ne sais pas ce qui s'est passé à droite, mais il s'est passé un truc. Là, j'ai rien mis parce que j'ai plus le temps. Et puis, j'ai pas spécialement d'inspiration. Peut-être que j'y mettrai quelque chose ou pas. Je ne sais pas. Et à gauche, voilà, dessous, on a le panier avec l'autre mésange qui n'a rien compris puisqu'elle regarde à gauche. Et là, je suis venue y mettre alors, un autre petit die cut. Donc, c'est une bougie, des pommes de pin, des sapins, tout sous une cloche. Et le tout dans un cadre, c'est un sticker. C'est des stickers, vous savez, c'est ça. Lace European Frame. Voilà, des cadres de dentelle européenne. Alors, n'allez pas me demander ce que c'est que la dentelle européenne. Voilà, on a plein de petits cadres ou en longueur, des trucs transparents, c'est des autocollants, hein. C'est des stickers. Voilà les différentes formes qu'on peut avoir. Donc je suis venue prendre ça pour faire un petit cadre autour. C'est très fin, c'est très délicat. Mais dans ces journaux, c'est pareil, j'ai plein 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 de stickers de 36 000 trucs de papeterie, alors je m'en sers énormément. Là-dedans, je vous montre un peu tout ce que j'ai pu y mettre. Et Dieu sait qu'il y a de quoi faire.
Hop, on va le refaire en même temps. Dans la pochette de gauche, une ancienne carte imprimée par mes soins en français. Vive Saint-Nicolas. Un tag, c'est un die-cut, ça, qui vient des mêmes collections que ça. Celui-ci aussi, j'ai mis deux tags qui viennent de ces collections-là. Voilà, que j'ai ancré. Un petit Saint-Nicolas comme ça. Il y en a que vous allez voir que, qui étaient déjà dans les autres, que j'ai récupéré dans les autres pochettes. Un petit, une petite carte de bingo. Hop, celle-là, je l'ai récupérée dans l'autre. Ah oui, ça, tiens. Est-ce que vous reconnaissez, Pi, qu'est-ce que c'est? C'est les tags. Là, c'en est qu'un, mais il y en a, je ne sais plus combien, 16, 12. C'est les tags du bloc. Vous voyez? C'est le motif là qu'on a derrière. Non, c'est pas tout à fait le même, mais pas loin. C'est les tags qu'on a dans le bloc d'action là. Ensuite, on continue. Donc, vous voyez, j'essaie de toujours laisser. Il faut qu'on voit tout. Il faut que tout. Enfin, il faut rien du tout. Il faut. On fait ce qu'on veut. Mais ce qui est sympa, c'est de voir la profusion. Donc, c'est de voir qu'il y a plein de choses. C'est ça qui est fun. Voilà. Donc, j'essaie de faire en sorte qu'on les devine tous. Ensuite, on a une autre petite carte d'époque. Voilà, imprimé par mes soins aussi. Et ah ben ça, c'est un des tags que je vous ai montré tout à l'heure, là, avec le papier de l'an dernier. Et deux petits tags des collections. Alors, vous savez, là, il y a du velours noir, et sur celui-là, c'est du velours orange. Ce qui fait que là, vous voyez tout ce qu'on vient de voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits goodies dans une pochette. Donc forcément, au milieu, là, ça fait de l'épaisseur. La pochette de droite, on refait la même. Plof! On commence par la fin, une carte postale, une petite carte Joyful. Maintenant, il vient en ballon, carrément. Petit Papa Noël. Ça, vous l'aviez vu passer, je pense. Un autre des tags de la collection, assorti au papier. Lui, il m'éclate. Avec cette découpe-là, qui fait un peu vieille photo, j'adore, je trouve que ça rend trop bien. Ça, c'est sur de la toile, et j'avais maté derrière. Vous l'avez déjà vu, celui-là, je crois. Ça, j'ai toute une série... avec un grand tag. Un des petits tags là des collections avec le petit chat qui dort dans son cousin, c'est trop mignon, ça pourrait être Loulou. Loulou qui a ronflé tout le temps où j'ai fait ce truc là. Et un petit timbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la pochette elle est pas serrée, hein. On pourrait en mettre plus. Hein. Pareil là, hein, y a encore de la place. Et au milieu, on est parti. Même chose. Hop là. Une petite carte de journaling. On pourrait ne mettre que ça, voilà. Là, le chèque, et puis à droite, un truc cadeau, je sais pas quoi, un marque-page, je sais pas quoi, puis on offre ça comme un cadeau. Après tout, la personne qui reçoit ça, ce qui l'intéresse le plus, c'est le chèque. Bon, bah ça fait une jolie petite enveloppe pour faire un cadeau, voilà. Une carte de Noël, une vieille carte de Noël avec un... Je n'avais pas vu qu'il avait une tronche, la tronche en biais comme ça, Père Noël. J'espère que ça va lui plaire tout ce que je fais là, le Père Noël qui va me gâter, qui va me faire des beaux cadeaux. J'ai été sage, moi j'étais une bonne fille cette année. Ça, c'est un tag comme celui-ci, qui vient des die-cuts, comme ça, là. Ceci, vous voyez, j'ai fait des petites dorures sur les bords, plutôt que du marron, plutôt que du vintage. Une petite carte, c'est dans la même série que celle-ci. Un tag de la collection, enfin, sorti au papier, dans les blocs 30-30, voilà. Ici, une petite carte, un petit collage, un petit truc, voilà, mais qui est imprimé, hein. J'ai pas fait de collage. Là, j'ai doré aussi les bords, une petite carte d'époque, Merry Christmas. Il y a un cadeau pour toi dans mon sac. From, donc de la part de... Et puis là, vous mettez votre nom si vous voulez offrir ça à quelqu'un, pour accrocher ça sur un cadeau. Et un petit tag, encore une fois, avec du velours orange. J'adore ce petit chat qui dort avec la patte sur le visage. Il y a bien que les possesseurs de chats qui connaissent ça. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là... On a de la place. Je les ai recomptés 10, 9 et 9. Voilà, bon, bah, allez, 30 goodies dans notre petite pochette. Et voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite bricole, la première bricole, vous aura plu. C'est pas encore du pur, purement pour mettre dans notre journal. On peut, hein, on peut la coller, mais c'est vrai que là, elle est très chargée. Ou alors, on en met moins dedans. Vous pourriez dedans mettre, faire des pages de journaling. Hein. On n'est pas obligé de remplir comme ça. On pourrait tout à fait, tiens. Je suis en train de vous goupiller un truc, du coup. Je disais, vous n'êtes pas obligé de mettre des goodies comme ça partout. Enfin, je me répète, parce que ça fait 5 minutes que je vous ai lâché, mais on va remplacer tout le milieu par autre chose, vous allez voir. Voilà, si vous vous prenez des nuits d'insomnie, des nuits d'angoisse, comme je fais moi, ou juste vous écrivez des chansons et vous voulez devenir le prochain Goldman, ou juste vous avez besoin d'écrire ou envie d'écrire ou n'importe quoi, vous pouvez vous faire voilà, une petite page de journaling comme ça. Hop, on se fait une page de journaling, on vient la plier comme ça.
Et on vient ici. Par exemple, glissez ça là-dedans. Et du coup, vous avez une pochette. Oui, alors j'ai pas pris les mesures. Du coup, c'est un peu trop large. Parce que comme une grognasse que je suis, je ne prends pas de mesures. Et que bah, des fois, c'est un peu juste. Bon, bah tant pis. Et bien, si ça ira. Voilà, regarde, c'est en train de se décoller là sur le côté, donc ça ira. Je vais en profiter pour vous remontrer, mais vous le verrez plusieurs fois, ça c'est une astuce. Ça c'est un papier d'imprimante bête et méchant, d'accord, que j'ai ancré. Donc il n'y a pas de trait pour écrire. Mais du coup je fais mes petits traits pour écrire comme ça. Là, ça passe. Ça passe ? Ça passe ! Voilà. Alors je vous montre, pour ceux qui n'ont pas suivi, je l'avais déjà montré cette astuce. J'avais fait une vidéo exprès dessus. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu, paf ! Un petit morceau de carton ondulé. Et vous venez soit comme ça, soit comme ça, soit hop là, comme vous voulez. Moi, je veux pas que ce soit trop, trop intense comme couleur. Voilà. Et vous venez tamponner vos lignes. Quand c'est bon, on relève tout ça. Moi, je reviens normalement avec une deuxième génération ici, sans remettre d'encre. Voilà. Et voilà, on a terminé, on a fait tout plein de lignes en 2 secondes. On pourrait tout à fait venir y coller des stickers, décorer avec des tamponnages, on pourrait faire plein de choses. Il y a toujours 1000 choses à faire. Bon, j'ai remis mes goodies d'origine, c'est ce qui avait de plus simple, paf, paf. Mais je n'ai pas pour autant viré ma petite page de journaling, je l'ai même améliorée, je vous montre ça. Et après, je vous laisse tranquille, regardez, hop, dans celui-ci, celle-ci. Hop, voilà. Donc j'ai enlevé quelques goodies au milieu qui sont venus, certains ici, certains dans celui-ci justement. Et là, et puis au moins j'avais plus de place, j'ai laissé. Je l'adore celui-là, il m'éclate, il est trop mignon. Celui-ci, j'ai laissé celui-ci parce qu'en plus il est en français celui-là. Joyeux Noël. Puisse une tendre amitié vous entourer sans cesse, puisse chacun de vos jours avoir un sourire du ciel. Et voilà, notre petite page de journaling pour les écrivains en herbe. Les futurs Goldman ou les futurs Zola ou Hugo. Un petit tampon d'Edith, un petit tampon bleu, et là un petit tampon voilà, pour un lecteur, plein de livres, une petite chouette sur le dessus pour venir décorer notre bidule. Donc lui, si lui est à l'endroit, l'étiquette se retrouve là en bas de page, c'est pas très gênant. Bon. Et voilà, je vais laisser ça là-dedans. Je vais vous présenter nos 4 pochettes et vous dire au revoir. Et voilà mes scrapouillettes d'amour, on a terminé cette petite pochette à 3, 5 pochettes, comme on veut. 3, 3, 3, 5. On peut, je vous ai dit, faire un bloc-notes, faire du journaling, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, une idée pour mettre dans notre journal. Donc moi je pense que ce sera dans mon journal, il y aura ou celle-ci ou celle-là. Je ne sais pas, sans mettre tout ça dedans, évidemment, parce que là ça fait vraiment trop. Ou ça, je ne sais pas encore. Les 2 grandes serviront à offrir comme ça à l'occasion. Je ne sais pas où, je ne sais pas pourquoi, voilà. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous branche, que vous commencez à voir un peu ce qu'on va faire au fil de ces prochains jours pour mettre dans notre journal. J'espère que ça vous plaît. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, une très bonne nuit même vu l'heure. Je vous embrasse fort mes scrapouillettes. Amusez-vous bien, bricolez bien, pochettez bien, préparez-vous bien pour la suite. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Voilà. Je vous embrasse fort, bisous bisous. Ciao, bye.